Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et je viens de me faire attaquer violemment par un raider. Voilà, meurt. Et donc j'ai pu trouver un moyen de nous rendre aux archives nationales via une carte. Hein. Et donc apparemment il y aurait un métro par là. Métro irradié, voilà. Et ce serait par là. Sauf que je viens de me rendre compte que s'il est irradié, c'est peut-être pas le meilleur des coins. What? C'est un maître. C'est un maître. Merde. Oh! Tu me fais chier. Bim. Bim. Voilà, t'apprendras. Ton pote, il est où? Putain, mais c'est ceux que j'ai déjà buté pour la troisième fois, quoi. Du coup, ils font rien du tout. En un sens, ça me dérange pas tant que ça, hein, mais voilà quoi. Bon, du coup, un instant, chers amis. Re, chers amis, donc. Lui là-bas, il a bougé. Bon, montre-moi ta tête. Je sens que j'ai pas touché, mais bon. Ah. Bim, elle touche. Raté. Touché. Ça fait mal. Touché. Touché. Raté. Raté. Touché. Parfait. Bon, son pote, je m'en fous. Georgetown. Ah putain, il y en a plein. Déplacement rapide, tandis qu'il y a des ennemis à proximité. Bon. Il fait chier ces ennemis à proximité. Oh, puis il y en a d'autres là-dedans. Ils sont partout! En plus, je me suis planté, c'est pas ici. Oui! Si on peut aller à Georgetown South, ça serait cool. What? Oh, le dégueulasse! Il est en train de bouger la voiture tellement lui. Bon. Bim. Bim. Parfait. Ah oui, c'est là que j'avais tourné à gauche, je crois. Je ne sais plus. Touché. Raté. Touché. Oh, raté. Voilà. Wouhou. C'est une brute. C'est une brute. Voyons voir ce qu'on peut faire. Raté. What? Que fait une brute avec un... Oh, j'ai des grenades frag. Intéressant ça. Boum bébé. Ah.
Non, mais t'inquiète pas, hein, ça sert à rien de rigoler, t'es mort quand même. Hein. Voilà. Boum. Deuxième. Je crois que la voiture a cassé aussi. C'est exact. Du coup, j'aime bouffer des rades à la chier. Allez. Ah, le voilà. Le voilà, chers amis. Je crois que voilà le métro que je recherche. Bon. Alors, après un début d'épisode assez difficile malgré tout. Alors, alors. C'est parti. Donc après un début d'épisode assez difficile, on va dire, on va y aller un peu plus franco. Enfin, franco. Toujours dans le silence le plus total, mais... What? Je t'ai pas touché, là. Merci. C'est bien ce qui me semblait. Hop. Quand dans ton cœur, ça fait boum. Alors. Bonjour. Il y a des gens ici. D'accord, il m'a vu. Il est beau, hein, mais non. Je les préfère quand ils sont tout gris. Après, ce n'est que mon avis personnel, hein. Je veux savoir où est-ce que je vais ressortir si je vais par là. Parce que je sais, j'ai suivi en fait une carte qui m'indique les armées chinoises, c'est génial. Qui m'indique les comment les différentes entrées et sorties, vous savez, mais pas à l'intérieur. Enfin, il y avait moyen, mais j'ai pas regardé. Discrétion. Ouh. Intéressant. Y'a pas un, quand même un bout d'une goule qui arrivait jusque là, non. Ouf. Alors, où sommes-nous? Oula. Apparemment, je ne suis pas seul dans le coin. Mais genre pas du tout. Des chiens. Mais what? Oh, peu que t'aies peur des chiens, t'es baisé là. C'est la horde. Surtout que comme il n'y a aucune attaque au corps à corps, tu peux pas... Bah tout simplement... frapper les chiens qui sont juste devant toi, quoi. Ce qui est complètement stupide. Hop. Est-ce qu'on est au bon endroit? Oui, ça doit être là-bas. Ça doit être là-bas. Sud-est, oui, ça doit être ça en plus. C'est un courant d'eau? C'est de l'eau. Rentre, peut-être que je me... Intéressant tout ça. Je me rappelle plus de trop, je crois que j'avais eu beaucoup de mal à la trouver là. À l'époque. Oh si, je me rappelle, l'obélisque. Oh là là, si, je m'en rappelle que trop bien. Donc là c'est les gentils, et de l'autre côté c'est les méchants, génial. Ouais, je m'en rappelle. Autour de l'obélisque. Oh la vache, le nombre de chiens qui se sont tapés. Ok. Merci de m'avoir prévenu. Quoi? Allez, circulez.
Ça, c'est à toi pour te soigner, t'es sérieux. Mais tu sais que ça me tâte de t'abattre sur le champ. Rien que pour tes munitions déjà de base. Et donc là c'est beaucoup moins drôle. Là, on peut. Bah, par exemple, en face, vous voyez. On peut en voir un. Il est hors de portée, sûrement. Coup critique. Ah bah j'ai touché. Ah, je recharge. Il est vachement précis avec son truc, hein, quand même. Il arrive à me toucher de là. Voilà, mais il est mort. Le musée d'histoire naturelle. Et si je me trompe pas, en dessous c'est Underworld. Vous avez sûrement perdu votre chemin. Bonjour. Encore un humain qui a envie de mourir. Bienvenue au mall, touriste. C'est de la folie de rester ici. Vous n'avez pas peur des super mutants? Ces grosses brutes? Non, ils n'embêtent pas les ghouls. Ils doivent nous considérer comme des cousins. Non, ce sont les autres connards. Autre connard. Ouais, vous savez, ces humains comme vous, enfin, peut-être pas comme vous, je ne sais pas, mais des humains quand Ouais, la même. confrérie, quoi. Les mecs de la confrérie de l'acier, avec leur testostérone et leurs armures assistées, ces mercenaires tarés de la compagnie de Talon. Tous ces connards. Je vois. Je ne suis pas un touriste. Allez, vous êtes sur le môle de la capitale de notre beau pays. Vous, qu'est-ce que vous faites? Je suis armé d'y aller, laisse tomber. Fait chier à m'appeler touriste celle-là. Rien Qu'est-ce que d'intéressant. vous fabriquez? Qu'est-ce qu'il y a là? Au niveau des quêtes. Les archives nationales. Les archives nationales, c'est où? Ce serait bien là-bas. Wow! Vous l'avez vu comme moi? Vous avez vu comme il était beau celui-là? C'est tous des brutes, hein. Hop là. Vous pouvez le dire, j'ai très très bien visé. Par contre, mes balles de snap coûtent extrêmement cher. Voilà, on va partir sur le pistolet. Ça va être mieux comme ça. Donc le môle que vous avez pu voir là où elle était en fait c'était Underground qui est en dessous, donc le lieu des ghouls. Touché. Touché, touché, touché. Maître, putain. What? Bonjour. Bonjour. Voilà. T'avais rien sur toi, c'est bien dommage. Là-bas, il y a un lance-roquettes qui essaie de me tirer dessus.
Hop les. Ça devrait suffire. Et encore un bim. Ah la vache. Je préférerais garder les tirs pour le... C'est vachement bien visé quand même. Dit-il après avoir raté une balle comme ça. Là si je le touche pas, faut qu'on m'explique. Voilà, merci. Bon, qu'on me respecte un petit peu quand même. Dans ce trou paumé. Donc j'avais dit que ça allait être la guerre, je pense pas m'être trompé. Et une fois qu'on aura débloqué les archives, donc on sera allé dessus tout ça. Peut-être encore le minigun à réparer moi. Tout à fait. On rentrera à Megaton justement entreposé et entreposer et vendre et nous soigner. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était un super mutant. Pouah. Je l'avais même pas reconnu le pauvre. Ouais, c'est là. Et de deux. Raté. Raté. What? Il ne me voit pas, de toute façon, il va être prudent, mais... Il ne me voit pas. Mais tu ne me vois pas. Oh putain, il y en a par là. Je vais sortir le Fat Man. Ou peut-être le minigun. Je veux essayer ça. Touchons là où ça peut faire mal, hein. Ok, bon, ça fait pas de dégâts du tout. Ça consomme une chier de munitions. Donc je préfère encore reprendre mon fusil de chasse. Par contre, je vais me soigner un petit peu avant. Je vais voir l'état de mes trucs. Hop. Voilà. Alors, on n'avait pas genre de... Non, on a rien. Parfait. Paf. Champagne. Champagne pour tout le monde, chers amis. Bon. Ça, ça me semble nettoyer quand même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça repop à l'infini là-dedans. C'est pour ça que je veux impérativement aller chercher le... Le téléporteur. Alors, on y est. Musée des technologies. Non, c'est pas le bon. Putain, c'est de l'autre côté, je suis sûr. Oh, la gueule. Tous les coups, c'est de l'autre côté. Nom de Dieu. Bon. C'est pas comme si la nuit tombait. On va attendre 12 heures en espérant qu'on se bouffe pas un repop. Hop. Bon, apparemment, ce n'est pas le cas. Ce qui est plutôt bon signe, je dois l'admettre. Oh, j'ai vu quelqu'un là-bas.
gueule. Il sème littéralement la mort et la destruction. Hein. Merci les gars. Ce qui est marrant, c'est qu'ils peuvent vous tirer 1,5 million de balles, mais ils ont que 12 balles sur eux. Alors que justement, dans n'importe quel film de post-apocalyptique, le problème est là, c'est de savoir le nombre de munitions que tu as quand tu veux attaquer un campement qui sait, enfin, pour en récupérer. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que voilà, si on a tant de munitions, je pense pouvoir en tuer suffisamment pour en récupérer plus. Les archives nationales. Parfait, parfait. Bon, bah écoutez les amis, on va se placer devant la Harley. Hop. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre la Playroom et le groupe Steam, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, donc postuler pour participer à une session de tournage d'un autre de mes jeux. Bon, malheureusement, Fallout 3 n'est pas en multi. Vous pouvez aussi aller voir dans le descriptif de l'épisode si les jeux Fallout 3, Fallout New Vegas, New Vegas GOTY et Fallout 3 GOTY et la précommande de Fallout 4 chez mon partenaire GamesPlanet.com. Donc encore une fois les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Yop, je remonte sur ma bécane et on y va.